déficits, c'est quoi? C'est des restrictions budgétaires, c'est des postes, des classes, des enseignants en moins, la médecine scolaire qui disparaît, ce sont des enseignants mal formés. Ça fait longtemps que je suis enseignante, c'était déjà pas génial, mais c'est de pire en pire. Je témoigne aussi pour Géraldine, elle est aide-soignante dans une maison de retraite privée. La camarade a signé l'appel pour la rupture car elle est consciente que les restrictions budgétaires dans son secteur, comme dans le reste de la société, sont dues au remboursement des aides publiques que nous impose l'UE.